Je sais pas quoi grosse dire. Déception. J'imagine, oui, non, parce que ce soir, l'histoire, c'est que l'OM n'est plus troisième. Et ouais, c'est normal parce que, voilà, on a laissé passer la chance. Hein. Le train, il passe pas combien de fois, le train. Quand le train passe, tu le rates. Combien de fois on a raté le train? Combien de fois on a raté le train? À la fin, on est là, maintenant, tranquille, on revient à la place, tranquille, quatrième où on était. C'est pas normal. Donc, Payet, c'est plus la peine. L'année prochaine, déjà, on commence à faire l'équipe de l'année prochaine. Faut les virer tous. L'analyse, non, franchement, l'analyse qu'on a, franchement, sérieusement, l'OM a une équipe des joueurs qui manquent d'intelligence. Vrai ou faux? Non, franchement, on a des joueurs qui manquent d'intelligence. Parce qu'on joue, mais l'intelligence de jeu, on n'a pas. Tourner le ballon, technique, tout ça, mais après, il y a l'intelligence. Bounassa, je sais pas, il est allé en classe, je suis allé à l'école jusqu'à quelle classe. Je sais pas, Samson, il est allé jusqu'à quel niveau, mais ils n'ont pas la réflexion, ils doivent se cultiver. Ils doivent apprendre à comprendre que le ballon, il est plus rapide que eux. Donc souvent, tu peux faire une passe dans le bon tempo et faut arrêter de jouer que sur les côtés. Quand tu passes sur un côté et que ça passe pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de côté. Et si l'autre côté ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller un peu au milieu. Mais attends. Non, attends. Ça me fait penser à quelque chose. Parce que quand je prends ma. Quand tu prends ta chérie, tu tapes un côté. Tu tapes un côté aussi. De temps en temps, tu vas droit. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Nous manquons d'intelligence de jeu, frère, vrai ou faux. Après, on nous dit, oui, il est blessé, oui, il arbitre, oui, ceci, oui, cela. Tout ça, c'est zéro. Parce que quand tu maîtrises ton sujet, tu ne cherches pas des arguments. Tu viens, tu demandes ce que tu sais faire. Voilà. Bounassa, c'est un boucan. L'année prochaine, Bounassa, il faut qu'il soit vendu. Ndji, il soit vendu. Même Zambo, grand détail, mais manque d'intelligence. Vendu, Zambo aussi vendu. Qui encore on va vendre? Mitroglou. Non, écoutez, les gars. Vous savez, dans le foot, il y a quoi? La zone de conservation dans notre camp. Quand on passe la ligne médiane, c'est la zone de progression. Et quand on approche de la surface de réparation, c'est la zone de finition. On est très fort dans la conservation, dans notre camp. Mais quand on dépasse la ligne médiane, dans la progression, on a du mal. Donc, dans la progression, quels sont les joueurs qui sont concernés? C'est Payet, c'est Samson. Ils sont absents. Et les joueurs de côté, Ocampos. J'aime Ocampos, mais Ocampos. Les gars, ouvrez bien les yeux. Non, c'est le seul qui mouille le maillot, mais le maillot, là, quand tu le mouilles, là, mouille aussi avec l'intelligence. Faut pas être trop bruyant comme ça. Il a marqué des buts, il s'est mis en confiance, après il est un peu perso. Tu remarques pas qu'il est devenu un peu perso au Campos? Ouais. Les gars, ils sont tous passés à côté. Même Rudy. Rudy. Moi j'ai défendu Rudy. Mais là, Rudy, on peut plus te défendre. Tu es revenu à la quatrième place. La place. Tu as vu là, ils ont mixé là, le dernier mix. Tu as vu là? Ouais. Tu as vu là, il dit quoi? Je suis énervé. Mmh. Ah, mais maintenant, c'est tous les Marseillais qui vont être énervés là. C'est clair. Parce qu'on est vraiment énervé là. Hein. Donc, Bounassa, zéro. À ma vie, zéro. Lui-même, après la Ligue Europa, il a dit que lui-même, il a dit zéro. Et lui-même, il s'est dit zéro. Donc, Bounassa, zéro. À ma vie, zéro. Pelé, l'année prochaine, lui, c'est fini aussi, il faut le virer. Donc, les gars. Mais là, c'est pas fini. Il reste encore 6 matchs. Il te reste 6 matchs. Mais tu sais, il faut avoir ton destin en main. Il ne faut pas dépendre des autres dans la vie. Dans la vie, il faut avoir ton destin en main. On n'a plus notre destin en main. Il y a le goal à jouer. Non, ils nous ont battus chez nous. Ils nous ont battus aller-retour. C'est même plus le goal à virage. Maintenant, ça se compte à la confrontation directe. Ils nous ont pris aller-retour. Lyon, ils nous ont fait ça. Bah pour toi, c'est mort. Quoi. Pour moi, je suis triste. Oh, les gars.
Mais oui, je te dis. Mais parce que le lion, il était plus féroce que tout. Les joueurs, ils mouillent pas le maillot. Vous mouillez pas le maillot. Vous aimez pas l'équipe. Vous aimez votre argent. Vous aimez vos voitures. Vous aimez votre luxe. Avec votre téléphone là. Vous faites vos Instagram. On s'en fout de ça. Toi, Bounassa, tu as fait 2-3 matchs. Maintenant, tu fais Instagram. Tu es chez toi. Moi, on s'en fout de chez toi. Bounassa, à ma vie aussi, tu mets plein de cheveux jaunes sur ta tête. Au début, on a fait Patrice Evra à cause de toi. Maintenant, toi, tu commences à faire comme Patrice Evra. Alors que Patrice Evra, lui, parce qu'il était un vieux fatigué. Toi, tu n'es pas vieux, mais tu commences à faire le petit bizarre. Tu vois? Et donc ça m'énerve aussi. Les gars, moi, je suis... Non, j'ai mal, là. Oui, mais ils ne comprennent pas. Mais ils comprennent pas. Rudy, ça fait combien de temps qu'il n'a pas ouvert la commanderie? Pourquoi pas visiter les joueurs? Lyon, chaque semaine, les supporters visitent les joueurs. Rudy, il a fait la commanderie, c'est devenu comme un camp de concentration. On ne peut même pas rentrer là-bas pour aller communier avec les joueurs. Les joueurs, ils ont besoin des supporters, de nous sentir. Ce n'est pas qu'on vient ici, on crie tous les jours, on paye des places, on paye des abonnements, on paye tout. Et pour tout ça, qu'est-ce qu'on vient? On a nos yeux pour voir. Donc la note qu'on donne à toute cette équipe, c'est quoi? C'est zéro. Maintenant, les gars, écoutez bien. Vous avez vu tous ces joueurs-là, ils sont tous de passage. Mais l'Olympique de Marseille, elle restera toujours. Donc on ne va pas finir sur une mauvaise note. On va chanter à l'Olympique. Voilà. Les joueurs passent. Les présidents passent. Même la mairie même elle passe. Mais l'Olympique de Marseille ne passera pas! Allez, Laurent! Allez, merci! Voilà!